Voilà, bonsoir à tout le monde. May the Lord bless you tonight. I'm so happy to share this moment with you. Désolé pour les secousses. Je pense que vous les ressentez là-bas chez vous. Mais c'est comme si on était sur le dos d'un cheval, quoi. Donc, may the Lord bless you. We are just approaching next year. And my soul is glad in the Lord because of the goodness of God with you, for you and for your family. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à 3 jours de 2024. 3 jours. C'est le quantum aujourd'hui. À 3 jours. 3 jours, 112 heures de 2024. Le chiffre 3 est un chiffre prophétique. 3 jours, c'est le chiffre de la résurrection, du renouvellement des choses. C'est le chiffre de la victoire sur la mort. Donc, sur le plan prophétique, cette journée est une journée stratégique. Une journée stratégique. Est de la plus haute importance. Ne joue pas avec la journée d'aujourd'hui, c'est jeudi aujourd'hui. Très sérieux. Et donc, nous voulons utiliser cette journée, par la grâce de Dieu, ce soir 21h, pour le positionnement prophétique en 2024, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. 21h ce soir. Vous êtes venu prier pour moi dans mes rêves. Je dis un grand merci. Amen. Et j'ai proclamé l'autre jour que le Seigneur allait révéler dans les rêves et les songes les visages de nos ennemis cachés. Comme j'ai l'habitude de dire, vous ne pouvez pas réussir dans un environnement où vous êtes entouré de personnes qui ne vous aiment pas. Même si vous avez quel genre de potentiel divin ou bien humain, vous ne pourrez pas. C'est impossible. Un poisson ne peut pas subsister et réussir hors de l'eau. Et un être humain ne peut pas réussir dans l'eau. Chacun a sa place. C'est ainsi que Dieu a organisé les choses. Donc, il te faut un positionnement prophétique pour 2024. Il y a une situation, une position que quand il a, quand il retrouvera cette position-là, automatiquement tu verras comment ton année sera. La plupart du temps, nous ne réussissons pas notre année. Pourquoi? Parce que on n'a pas un bon positionnement prophétique. Vous voyez, la Bible explique clairement que lorsque Moïse a envoyé Josué combattre contre les ennemis d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous allez combattre et moi j'irai sur la colline, au sommet de la colline. Moi j'irai sur le sommet, ni à droite. Oui, moi j'irai au sommet de la colline. Et là-bas, je combattrai. Mais spirituellement, je vais prendre, c'est bon là. Moi, je vais prendre la position stratégico-prophétique. Je me mettrai sur la colline avec mes deux bras levés vers le ciel. Toi, tu combattras. Florimbo, buenas tardes, mi padre. ¿Cómo estás? Buenas tardes, también. Donc, je me tiendrai ici. Et du haut de cette colline, je prendrai le commandement sur l'armée de l'ennemi. Donc, il y a une position que tu dois avoir qui te donne la force. La Bible dit que lorsque Achab a envoyé arrêter le prophète Élie, plusieurs soldats, plusieurs escadrons, escouades de militaires sont venus pour arrêter le prophète Élie, mais il était en hauteur, il était au sommet de la montagne. Et ceux qui lui ont manqué de respect, en l'insultant, il leur a dit, si vraiment je suis un prophète, que vous m'appelez en me méprisant là,
que le feu descend du ciel. Immédiatement, le feu est descendu du ciel, vous voyez. Donc, le positionnement prophétique est quelque chose d'important pour le succès, le vertu des portes fermées. Tu peux avoir la bonne grâce de Dieu, avoir les faveurs de Dieu, mais si tu n'as pas la bonne position spirituelle, tu perdras toutes choses. Donc, bien aimé, par la grâce de Dieu qui est mon sauveur et votre sauveur, ce soir à partir de 21h, je parlerai de la position prophétique et tu vas retrouver ta position devant Dieu pour 2024. L'année, ce n'est même pas une année de blague. Ce n'est pas le genre d'année où on entre dedans pour faire n'importe quoi. L'année 2024 régorgera du mou, du blé, régorgera de beaucoup de trésors, beaucoup de bénédictions, beaucoup de surprises venant du ciel pour l'année 2024. Donc, c'est une année où il ne faut pas entrer avec les jeux, avec les amusements. Quand vous voyez comment j'insiste, je fais les émissions, j'invite les gens à être là, à se connecter, c'est parce que c'est très sérieux, mes amis. Ce qui est en train de venir en 2024, là, c'est trop fort. Si quelqu'un rate ça, je ne sais pas comment on va encore le voir après cela. Donc, ce soir, à partir de 21h, partage la vidéo et partage cette annonce. On se retrouvera. On va se retrouver. Ce vendredi, nous avons le dernier atmosphère de miracle à la bière. Ce vendredi, dernier atmosphère de miracle à partir de 17h. Sois là, ne manque pas. Et la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Donc, mets-le dans ton agenda. Rendez-vous tout à l'heure dès 21h. Et la faveur de Dieu sera sur toi. Shalom, bye.